Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo nouvelle des bébés lapins et nouvelle en grand général parce qu'il y a beaucoup de trucs à vous dire vu qu'il se passe beaucoup de trucs en ce moment. Donc tout d'abord je voudrais revenir sur la vidéo que j'ai filmée, la dernière vidéo que j'ai faite. Vous avez été énormément à me soutenir etc. Par rapport à cette vidéo et par rapport à en général. Donc merci beaucoup, c'est super gentil. Je pensais pas qu'il y allait avoir autant de commentaires gentils qui me soutenaient. Du coup je suis super contente. C'est adorable. Et si j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais normalement j'ai réussi, merci. Un grand merci général. Vous inquiétez pas, Neige normalement va s'en sortir. Hein. Enfin, elle normalement. Neige va s'en sortir. Il n'y a pas de normalement. Les bébés, j'espère également aussi. Et tout va bien se passer, hein. Voilà, de toute façon c'est la dernière, elle n'en aura plus jamais de toute sa vie vu que je vais la faire stériliser, mais je peux pas la stériliser maintenant puisque je suis obligée d'attendre que ces nouveaux bébés soient sevrés, logique. Donc je vais juste vous montrer un peu les adultes en général, vite fait. Donc désolé pour la luminosité, c'est vachement très éclairé, du coup ça fait un truc bizarre. Donc Nougat en pleine forme, j'ai également mis un panneau devant sa cage pour ne pas qu'on le sorte en même temps que Neige, je fais extrêmement gaffe, je l'ai mis dans la cage au-dessus de Neige, alors qu'avant il était dans le parc qui était à côté, spécialement pour ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir j'ai séparé Neige des bébés, mais ça je vous en parle juste après. Oni et Galaxy, H24 ensemble, hein, tous les deux, sont adorables. Elles font tout ensemble, elles se lèchent, elles se regardent, elles sont adorables. Donc c'est vraiment mignon, donc attendez, je vais fermer la porte, faire sortir Neige. Comme ça, elle va se détendre un petit peu dans le parc parce qu'elle est très excitée comme tous les matins. Donc voilà, ma Neige. Ensuite, donc... Voilà, ça c'est tout ce qu'en fait que j'utilise pour faire le nouveau parc. Je sais pas si je vous avais expliqué. Donc voilà. Les bébés lapins sont ici. Donc mes petits chouchous, ils sont là. La luminosité est assez dégueu, je trouve. C'est assez goulé en fait, j'arrive pas trop bien à voir ce que je vous filme. Donc voilà, donc mes petits chouchous sont en pleine forme. Ils sont séparés de maman parce que maman a eu ses nouveaux bébés. Je vais vous en parler juste après. Donc ils sont pas du tout propres, comme vous pouvez le voir. Il y a plein de caca partout, c'est horrible, ils sont pas du tout propres pour l'instant. Et du coup c'est galère. Donc voilà, les filles qui se disputent. Neige, arrête. Voilà, donc les petits choux sont en pleine forme, hein, eux, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Ils sont adorables. Et donc maintenant, ils vivent tout seuls. Ça se passe super bien, franchement, pour l'instant. Ils ont dormi qu'une nuit, hein, tout seuls, mais voilà, ils mangent bien leur herbe. Des petits granulés quand même pour leur transit. Et ils sont sortis le week-end tous les jours. Enfin, tous les week-ends. Et après, j'essaie de les sortir dès que je peux, mais voilà. C'est un peu chaud, je préfère. Enfin, déjà, je sors d'abord les adultes. Parce que c'est ceux qu'on a le plus besoin. Donc je vais les remettre à leur place. Et loulou, poussez vos pattes. Ne pas les écraser. Voilà, ça ne va écraser personne. Et je vais vous montrer donc la surprise. Voilà, là j'ai eu ce nouveau CBD. Des nouveaux bébés que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà. Oh bah tiens, il y en a un qui est parti, donc je le redis encore parce que bon, je vais encore avoir des commentaires là-dessus. Les bébés de Neige, je les touche tout simplement parce que c'est mon choix et que je ne le recommande pas, mais j'ai une assez bonne confiance avec Neige, je pense que vous avez pu le voir. Et voilà, c'est vraiment mon choix, donc franchement, arrêtez avec tous ces commentaires comme quoi je ne devrais pas les toucher, etc. Vous n'avez même pas regardé la vidéo parce que vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Donc voilà. Et merci à tous les gens qui ne commentent pas, c'est gentil. Donc voilà, donc au niveau des bébés, j'ai regardé ce sont tous là. Voilà. Donc je ne vais pas vous les montrer trop longtemps quand même hein, parce que je ne suis pas non plus suicidaire. Voilà, donc on ne voit pas trop bien. Mais ils sont 6, 6 petits cœurs d'amour. Ils sont adorables, ils sont nés le 19. Voilà, et ils ont une naissance assez particulière. Donc. Je vais pas vous la raconter concrètement sinon ça va être vachement trop long cette vidéo. Mais si vous voulez que je vous la raconte, dites-le-moi en commentaire et je vous ferai une story time de ça. Donc voilà, je remets des poils. Je vous ferai une petite story time de leur naissance car ça a été assez spécial. Donc si ça vous plaît, dites-le-moi en commentaire et je la ferai parce que je sais que c'est des vidéos qui plaisent généralement plus tôt. Donc voilà, donc pourquoi j'ai séparé comment ça va se passer au niveau de l'élevage des petits... etc. Donc au niveau de l'élevage, Neige ne va pas pouvoir allaiter
plein de petits en même temps. Ah oui, et au début des bébés, je sais qu'il n'y en a que 5. Car il y a de nouveau un des petits qui est décédé. Et c'est la cause du fait que Neige est déportée en même temps. Enfin, en même temps, c'est pas vraiment en même temps, mais quand même. Du coup, elle a tendance à les sevrer très très vite, ces petits premiers bébés. Ce qui est la cause, une des causes de du décès de certains des petits. Donc, comment vais-je m'organiser pour le sevrage des petits cœurs et des deuxièmes? Donc, Neige, elle est pas non plus, elle a pas non plus une force de folie. Enfin, je veux dire, elle est capable de nourrir 6 bébés, mais elle n'arrivera pas à en nourrir plus. Et donc, elle ne pourra pas allaiter en même temps les grands et en même temps les petits. Et en plus, donc, ils ont à peine un mois, ils ont un mois et demi. Et non, un mois et demi, bien sûr, et une demi-semaine. Et ils mangent déjà énormément de foin, d'herbes, de granulés, etc. Donc voilà, premier point. Depuis qu'ils ont leurs 2 semaines, ils commencent déjà à manger plein de trucs différents, comme un manège. Et du coup, en fait, elle les a sevrés plus rapidement. Et c'est du coup plus compliqué pour eux pour survivre. Enfin, ils ont du coup, leur transit est un peu accéléré, si on peut dire. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a que les plus forts qui réussissent. Et les deux qui sont malheureusement décédés, c'était les plus faibles. Donc, c'est une genre de sélection naturelle. Je pense que ça se passe comme ça dans la nature également. Donc, moi, c'est pas du tout ce que je voulais, mais en fait, j'avais pas trop le choix. Si je les laissais avec Neige, elle allait pas forcément avoir assez d'énergie pour nourrir les autres. Du coup bah voilà, donc je fais vraiment gaffe, j'essaye de voir si t'aides bien, si mange bien, et je les nourris avec l'herbe la plus riche possible et le choix d'herbe le plus varié pour qu'ils aient vraiment, qu'ils réussissent vraiment à trouver ce qu'ils ont envie de manger. Et au niveau de l'âge des petits bébés, c'est ma petite Neige qui s'en occupe, vu que là elle va pouvoir les vraiment s'en occuper à fond, car elle n'aura que à s'occuper et pas d'autres lapins. Donc voilà, donc c'est fini pour la repro pour Neige, je le dis tout de suite, c'est sa dernière portée, je ne la remettrai jamais avec Nougat. Et je la stériliserai dès que les petits sont sevrés, donc c'est-à-dire début juillet, peut-être un tout petit peu après. Genre je pense vers le. Ouais, début, entre début et mi-juillet. Quand les petits ne têteront plus. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Ah oui, et dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'est le parc, le projet du parc que je vous avais dit que j'allais faire, qui avance à grands pas, donc je vais vous montrer un petit peu ça vite fait. Hop. Et je vais aussi un petit peu vous expliquer au niveau des sorties comment ça se passe en ce moment du coup. Donc le parc, comme vous pouvez voir, il y a le grège, il reste plus qu'à faire le portillon. Donc voilà. Après, comment ça se passe au niveau des sorties des loulous, je sors en ce moment, je sors Neige tout en haut, donc là où il y avait Nougat avant, je sais pas si vous vous souvenez, le parc tout là-haut, je la sors là-bas avec une bâche bien sûr au-dessus, et je sors les petits donc dans le parc de Galaxy, je sais pas si vous vous souvenez également, avec le garage par-dessus, ce qui me fait que j'ai quand même de parc. Je sors Nougat dans le grand, ou alors oui, dans le grand, et les filles là-haut. Et après je pense que je vais changer, je mettrai peut-être Nougat en haut, Neige en bas, enfin Neige par là-bas, et Oni Galaxy ici, enfin à voir, mais j'essaie de les sortir tous le plus souvent possible. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura, enfin maintenant vous serez un petit peu au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc si vous voulez, je pense que je vais vous montrer les bébés lapins de temps en temps, donc comme les autres. Peut-être aussi souvent si ça vous plaît, je ne sais pas. Et en fait, quand je vous montrerai les grands, je vous montrerai les petits en même temps. Et voilà. Donc voilà. Voilà, non, mais ils sont complètement tarés ce matin. Il faut absolument que je les sorte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la commenter et vous abonner. Bye!